Jodi à ce 1er janvier 2020. Gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que avec équipe TV Caraïbla depuis Bombado Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi à nous parler vite au côté président République là, Jovenel Moïse. Discours 1er janvier 2020. Mais avant nous faire ça, équipe TV Caraïbla voulait remercier tout le monde qui toujours branché TV Caraïbla pour information pays. Et un gros remerciement avec ça. Toujours quitte un commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici dans Bombado Police, équipe TV Caraïbla, nous apprécions ça. Et si c'est la première fois visiter nous et qualité information nous partager ou intéressé, vous êtes capable toujours abonner avec TV Caraïbla et puis pas oublier ouvrir chaîne notification pour capable faire partie équipe notification TV Caraïbla. Et ça t'a impressionné nous en pile sous t'es capable aider nous grandir chaîne là. Et bien nous pas perdre temps, n'a déroulé avec information yo en nous. Dans l'occasion 1er janvier 2020, président République là Jovenel Moïse mandé tout acteur politique qui dans opposition pour prendre un dialogue pour capable sauver pays en bas toute qualité problème la psibi dans dernier temps ça yo. Chef l'État a invité toute collectivité à pour mettre main ensemble non façon pour capable changer condition la vie population. Et bien c'est extrait ça nous gain pour. Et bien nous pas perdre temps, n'a commencé coulier à. Comment
Je vais vous donner un peu de temps. Janvier 2020, téléspectatrices, téléspectateurs, bonjour, bonsoir, quel que soit côté côté nous, quel que soit côté nous comptons avec vous pour cérémonie officielle qui a marqué 216 l'année d'indépendance pays d'Haïti. Et la première étape journée, c'est sous place publique au niveau Champ de Mars, place Christophe, place Toussaint, place Dessalines, place Pétion. Et là, président républicain Jovenel Moïse, première dame républicain Martine Moïse, premier ministre Jean-Michel Lapin, président Cour Cassation, qui c'est tout président CSPJA, maître René Sylvestre, président Sénat République Karl Murat Cantave, président Chambre députée Gary Bodo, avec un pilote autorité dans l'État, qui ont même déjà déposé gerbe dans mémoire ancêtres Nouyo, dans l'occasion 1er janvier 2020. A précisé pour téléspectatrices et téléspectateurs qui suivent Télévision Nationale Haïti dans le moment ça. Cérémonie officielle est divisée en plusieurs étapes jeudi. Des premières étapes, c'est sous place, j'en souhaite well sous écran, puisque Télévision Nationale Haïti nous en direct depuis le lancement journée. Il faut que nous préciser c'est ensemble de place, c'est façon particulière. Eh bien, et autorité dans le plus haut niveau l'État a décidé de rendre un hommage, hommage bien mérité à Zancet Noyo pour qualité pour ça, pour qualité bataille, pour qualité exploit au terrible fait et qui t'a mené à proclamation indépendance PIA le 1er janvier 1804. Nous pas qu'à parler de 1er janvier 1804, ça ne pas retourner sous congrès de la Caillère le 18 mai 1803, congrès de la Caillère qui est après la scellée entente entre différents groupes dans Saint-Domingue dans la période là. Et là, et avec entente ça, avec mise en commun ça, avec esprit vivre ensemble ça, il est après accoucher la fameuse bataille de Vertières le 18 novembre 1803. Et c'est là qu'on après mettre en déroute la plus grande armée de l'époque. Et après 18 novembre 1803, et sitôt que nous mettons dehors la plus grande armée, nous avons proclamé l'indépendance dans Gonaïve, la cité de l'indépendance. Alors, pour la première partie de la journée, nous sommes capables de dire que nous sommes presque arrivés dans Boutli, place publique dans le niveau Champ de Mars, président, ensemble avec l'autre autorité dans l'État, déposé gerbe, place Christophe, place Pétion, place Toussaint, place Dessalines, et dans quelques instants, rendez-vous à Sepral au niveau palais national, puisque déjà Gonstein qui érigé dans Sepral Gagnon pour adresser à la nation dans l'occasion 216 l'année indépendance pays d'Haïti.
Une fois encore, n'a pas souhaité toutes téléspectatrices, tous téléspectateurs, tous internautes, tout le monde qui suivent nous, quel que soit côté, sous quelle que soit station branchée, une bonne et heureuse année 2020. En pile santé, en pile courage, en pile sérénité. Nous souhaitons la paix pour le pays d'Haïti dans l'occasion ça. On souhaite nous arriver à jouer une formule qui est capable d'aider nous à prendre une décision pour nous capable d'améliorer les conditions de la vie de la population haïtienne. Là maintenant, et cortège présidentiel là, qui a fait Chomeli et au niveau Champ de Mars, très certainement, et c'est à la dernière place, et, puisque selon précision qui est disponible, la prochaine étape là doit être au niveau Palais National, qui là est sous pelouse à Palais. Côté stand a déjà érigé et en pile invité, que ce soit invité qui vient pour avec le pays d'Haïti, mais tout invité qui vient pour avec l'autre pays, puisque en pile représentant l'autre pays qui déjà sous place dans le Palais National pour assister à deuxième étape journée qui pourra permettre nous suivre avec intérêt, bien entendu, discours de circonstances président républicain Jovenel Moïse. Alors, on n'a pas vite été branché, TNH, on a pas observé en pause, mise en ordre, le temps pour nous faire l'autre arrangement pour nous capables arriver dans le Palais National pour deuxième étape journée célébration Sahara. 1er janvier 2020, 216 l'année indépendance pays d'Haïti. On fait encore bonne fête indépendance à tous les amis qui suivent Télévision Nationale d'Haïti et toutes les stations qui relaient nous aujourd'hui. Nationale d'Haïti, bonjour. 1er janvier 1804, 1er janvier 2020, 216 l'année depuis Zilea, vini, un pays indépendant. Eh bien, n'a dit tout haïtien, non seulement ça qu'en Haïti, ça qui dans diaspora, yon bonne fête indépendance et puis bon l'année 2020. Télévision Nationale d'Haïti avec vous en direct depuis Palais National, côté nous pralien pour nous suivre célébration officielle 216 l'année indépendance pays d'Haïti, on joue tant pour jodia. Eh bien, général en chef l'armée indigène, non, Jean-Jacques Dessalines, te signé acte indépendance là avec une quarantaine généraux de division avec yo qui te prend décision pour bonne marche pays a, yo te chita ensemble, yo te décidé sur une série point cap bon pour Zilea, tant coup pour mettre blanc français dans campé loin pour pas jamais rester sous domination blanc français encore. Et puis désormais, tout le monde qui pile le territoire, ça, tout esclavio libre et libre. Et bien, c'était un gros jour, c'était fait tout partout. Ce n'est pas seulement fait une commune, un département d'un pays, mais c'est fait sur tout territoire national. Là, tout le monde était fêté, taïbanda, batambou, boue soup joumou. Tout le monde, à partir de ça, et bien, date historique, ça a arrêté dans le pays d'Haïti. Et de génération en génération, 1er janvier été. Yon date mémorable, rete yon gros jour pour chaque grand haïtien. Et ici là dans Palais National déjà gagnent invité yo k'ap pran place sou yon stand qui érigé pour occasion. Gen fanfare Palais National là qui déjà pran place sous perron. Grand invité dans Palais National là et membre belle force l'armée pays d'Haïtien qui là tout k'ap pral paré pour faire parade 1er janvier a. Membre corps diplomatique là président Sénat République là invité déjà là tout le monde là et coupe présidentielle là dans un moment encore pour aller pour prendre place tout sous stand qui est érigé dans la coupe Palais National pour cérémonie officielle ça et nous pour aller pour tendre message président République là nation dans cadre activité ça. Et ça c'est deuxième étape journée qui commençait dans un premier temps faut nous rappeler président République là déposer gerbe devant
plusieurs monuments sur le champ de Masla. D'abord sur place Toussaint, l'ouverture. Le président de la République a déposé gerbe sur place Saint-Christophe, sur place Jean-Jacques Dessalines et finalement il a déposé gerbe sur place Pétion. Et Kounia, pour le présidentiel là, qui n'a pas le national, pour aller tout à l'heure pour venir dans l'espace côté activité pour aller pour dérouler. Nous avons demandé tout auditeur, tout téléspectateur qui était chez nous, nous partons pour une deuxième étape de journée. Ça. Avec nous, Sabine Jean-Étienne et puis Serginho Lindor. Bonjour Lindor, bonne année 2020. Bonjour Sabine, bonne année, bonne fête d'indépendance. Et on fait encore remercier toutes téléspectatrices, tous téléspectateurs qui suivent Télévision Nationale Haïtienne Le Sahara. Je souhaite préciser Sabine, nous, non par les nationales. C'est la deuxième étape journée de célébration. Puisque première étape là, j'ai eu la possibilité de vivre les sous écran nous. C'était sous place publique au niveau Champ de Mars. Et là, président Jovenel Moïse, première dame, non, ensemble avec un pilote aux autorités dans l'État, il a déposé gerbe dans monument qui érigé sous place publique Jean Massio dans mémoire ancêtre bien entendu. Et là nous t'ai fait en direct place Christophe, place Toussaint, place Pétion, place Dessalines. Et c'est occasion pour lancer journée célébration, occasion pour songer et pour est-ce que ancêtres nous ont arrivé fait pour bannou bout de Sahara en pile bataille, en pile engagement, en pile dévouement. Et c'est pas pour sans raison, c'est toute république là qui dit matin l'honneur, respect, chapeau pour ancêtres nous. Mais c'est tout occasion pour nous garder nous-mêmes qui ça nous arrivé fait après, puisque chaque fois on a pu vivre moment ça yo, moment fête ça yo, moment célébration ça yo, c'est un véritable prétexte pour nous. Qui côté nous y est, 216 années après, par rapport à l'idéal de Saline, par rapport à la qualité d'engagement que cette communauté prend, par rapport avec route que tu voulais bailler pour ça, par rapport à la directive que tu voulais bailler pour ça, qui s'était garanti un minimum de bien-être pour Frère Action Nouyo. Est-ce que 216 années après, nous sur route là, et qui ça nous devons faire que nous pas faire, qui ça nous manque faire, qui ça nous a besoin de faire pour nous capables renverser la réalité et arriver à une formule qui cadrait à sa ancêtre nous était souhaité pour nous vivre jeudi. Alors, quoi je veux dire, c'est qualité réflexion sérieux qui t'a doué à essayer de garder pour permettre que 216 années après, nous arrivions à approprier de ça, nous arrivions à faire tout ça, nous connaissons tout ça, nous capables pour que Frère Action nous vive dans de bonnes conditions, nous avons accès à services sociaux de base, nous sommes capables, n'est-ce pas vrai, de gagner un terre côté lui fait bon pour nous vivre. Alors, très certainement, dans le discours du président républicain Jovenel Moïse, il va le faire dans une minute qu'il va venir là au Sabine, il va retourner sur le POUES 1804 là, et ensemble de batailles qui conduit à et 1er janvier, pas oublier, pour arriver 1er janvier, il faut te gagner le congrès de la carrière. Et là, dans le niveau congrès à carrière, tu as un certain dépassement, même un dépassement certain que tu as fait. Et c'est vrai que dans le premier moment, tu as un pile problème, dans le groupe en présence dans ce domaine, mais finalement, tu as une nécessité pour arriver à atteindre l'objectif là, il faut que tu mettes ensemble. Et c'est mise en commun ça, c'est l'esprit vivant ensemble ça, qui pourra le permettre 18 novembre 1803, tourner en réalité. Alors, 18 novembre 1803, rive mettre en déroute puis gros là mais dans période là c'est parce que vivre ensemble là t'es en réalité, c'est parce que mise en commun t'es en réalité, c'est parce que dépassement t'es arrivé fait et c'est parce que t'es quoi que bout de ça c'est pour yolier et question pour moun à vivre sous esclavage là li pas possible encore et c'est à partir de qu'aucune chaîne bataille ça mot liberté a vienne tout sens. Je veux dire, si on parle de liberté, quel que soit côté à parler de liberté sur la terre bénie, c'est par rapport à ça que tu es fait ici. Alors, vraiment, je ne sais pas quoi qu'une révolution plus originale qui jamais fait sur la terre bénie que ça ne te fait ici à Saint-Domingue en 1803, Mibral menait très certainement à proclamation et indépendance le 1er janvier 1804. Maintenant, en plus le monde a dit après ça, qui ça nous arrivait faire, après ça, comment nous arrivait gérer l'indépendance là? Est-ce que après indépendance politique là, nous arrivait bataille pour finalement pour indépendance économique là? C'est question qu'a posé, mais là c'est monde qui là, c'est acteur, c'est ensemble de petits pays qui finalement doit d'accord dit qui ça n'a fait pour nous sortir côté nia, qui ça n'a fait pour nous bailler une garantie au minimum de mieux-être. Parce que finalité politique là par l'autre, c'est garantie mieux-être pour Frère Action Rio. Et c'est là qui pourra permettre que nous arrivions faire honneur
à Kokenchen bataille les ancêtres nous témenaient le 1er janvier 1804 puisque là c'était consécration hein, après tout effort, tout engagement, tout dévouement que monsieur Damio était arrivé faire et c'est pour cette raison dans occasion 216 années nous était chapeau bien bas devant Kokenchen bravoure toute femme à garçon qui était bataille pour permettre l'indépendance ça était possible. Je dis à c'est nous qui là et c'est nous qui pour mettre nous dans dimension, c'est nous qui mettre nous à la hauteur de responsabilité nous pour nous capable faire honneur ça a été fait 18 novembre 1803 anniversaire ça a été fait dans le congrès de la Caillère et qui va très certainement mener nous Sabine Jean dans 1er janvier qui c'est consécration qui c'est date officielle proclamation indépendance de la République d'Haïti. Et probablement tout l'endroit président République là dans intervention et pral gagner pour lui actualiser et événement ça gros moment on saute et relater là pour population haïtienne pour Silayo qui branche télévision nationale d'Haïti dans discours président sûrement il pral actualiser et contexte historique ça côté dans moment nous journée jeudi à année 2020 ça qui rentre là qui ça pays d'Haïti besoin qui sa population haïtienne a besoin parce que en 1804 yo te connaît qui ça yo te besoin yo te connaît qui ça qui bon yo te voulait aller mais toute décision qui te prend en 1804 yo toute gros décision ça yo que ancêtres nous yo te prend yo pas toujours été respecté pendant toute 216 l'année a c'est pas ça qui fait pendant toute 216 l'année a c'est pas ça yo te souhaité pour pays d'Haïti qui rivé exactement à 100% qui rivé réalisé donc journée jodi arrêté en pile travail qui pour faire toujours qui ça nous voulons faire avec le pays, qui sa dirigeant nous voulons faire avec le pays. Donc, président de la République, là, depuis quelques temps, il y a un mot dialogue dans le discours. Il montre volonté et détermination pour gagner un dialogue sincère qui fait en tout secteur, pour tout le monde chita ensemble. Jean, ça a été fait en 1804. Là, il a été fait état généraux nation. Les assemblées, les Jean-Jacques Dessalines, ont parlé avec généraux de division, ont parlé à chef de filio. D'abord, il y a une quarantaine nèg té réuni ensemble. Yo fin tombé d'accord, té parafé acte de l'indépendance là et puis yo té relé population haïtienne là côté tout monde té rassemblé et yo té l'île pour tout monde et tout monde té fait serment ensemble. Je dis à nous besoin faire un serment ensemble. C'est pour ça président de la République là journée jeudi là, elle a parlé de un travail qui pour faire journée jeudi là, nous même à qui ça monde dans population, vous pensez qui question t'a de poser côté pays d'Haïti besoin aller journée jeudi à 2020. Absolument et c'est garder est-ce que Haïti dans mi-temps ça qu'a passé ici à est-ce que nous river mettre Haïti devant dans action nous yo dans décision yo dans choix nous yo est-ce que ensemble d'acteurs qu'a fait politique yo et fait de Haïti centre bien motivation et ça a réglé en termes de choix en termes de décision en termes d'action alors là c'est tout ça je dis que t'as dû interpeller nous chaque pour nous voir que voilà nous gain bout de ça monsieur Damio te mené gros bataille je dis à liberté en pile mon a battre l'estomac que vous dit nous c'est première république noire du monde nous fait ça en pile monde pas de faire nous river de en pile pays dans région nous inspirant pile pays faire indépendance même Jacques nous et là 216 années qui côté nous y est qui ça choix ou t'adoyer qui ça décision ou t'adoyer qui ça réflexion t'adoyer et c'est ça Sabine tapé partager avec nous tout à l'heure très certainement le président République là Jovenel Moïse pral gagner pour le dire qui ça 2020 capable et qui ça décision capable au niveau de l'administration là gagner un ensemble de rencontres qui a été faite pour arriver à permettre un ensemble d'acteurs chita pour dégager une formule et joindre ça en pile dans acteurs relé accord politique qui ca permettre que le gouvernement établi qui ca permettre gagner et des actions concrètes qui rivé abouti hein, pour tout le monde dans intérêt population dans intérêt grande majorité pour qui gagner pour finalité améliorer conditions la vie mounio alors tout ça c'est des bagages que n'a pas surveiller dans discours chef l'état et puis on date nous connaît qu'à privé la deuxième lundi mois de janvier puisque avec toute turbulence nous connaît te vivre en 2019 élection yo qui pas arrivé faite loi électorale qui pas arrivé votée budget et qui t'est retourné nous songer ça en janvier chambre députée a te prendre décision tourner budget et par la suite t'as pas gagné interpellation premier ministre qui était là dans période là et depuis le ça réalité a
pas toujours facile avec le Sénat et la Chambre des députés, séance qui pas capable de faire. Et nous songeons à gagner un Premier ministre qui joigne un vote au niveau de la Chambre des députés et au niveau du Sénat. La réalité a été très difficile jusqu'à ce que la séance pas faite et jusqu'à un moment où on a parlé là. Vraiment, c'est une année 2019 assez difficile, assez corsée, assez compliquée. Et on a gardé tout ça, ça traîne derrière comme conséquence. On a gardé indicateurs, que ce soit la question de la sécurité alimentaire, que ce soit par rapport avec les taux de change, que ce soit par rapport à l'inflation. Vraiment, et tableau très très difficile, tableau très sombre. Et là maintenant, qui ça 2020 capable de poter, qui ça 2020 capable de bien, parce que au fait, année au cas toujours changé, mais si nous continuons à faire même ça, nous avons fait, réalité pas forcément changé. Alors maintenant, nous avons très certainement entendu un message du chef l'État dans l'occasion, qui ça le gagne dans Jacoutique, qui ça l'administration liant gagner et prévoir pour l'année, qui sa grande décision est capable pendant l'année 2021 par rapport à toute difficulté de gagner, puisque pendant 2019, là, on a expérimenté question et l'oc là, Jean-Pierre Mounre les liens, et qui était dérangé, circulation, monde, circulation bien, et qui t'a pris un gros incidence, et jusqu'à moment où on a parlé en pile monde, paye conséquences dans le poche, et Le projet tout bloqué, il n'y a pas arrivé à atterri, nous, et il y a un projet dans le département de l'Antibonite qui était campé, et c'est pas seulement dans le département de la Tibonite, dans Jérémie, dans le sud pays en tout, et gagner un paquet de projets qui étaient bloqués. Et nous-mêmes qui habitués à accompagner le président de la République dans le souterrain, et nous avons gagné même système de pompage tout récemment, le président a visité dans le département du Nord-Ouest, tu es capable d'aller plus loin déjà, tu es supposé finir le système de pompage, ça pour les paysans, tu es capable de joindre assez de l'eau pour arroser le jardin, pour faire le travail normalement. Mais ça te vient camper dans la route, c'est des travaux qui étaient fini depuis en juin, mais phénomène pays loc là et bah pays d'Haïti ont pas qu'être retard au niveau agriculture, économie, santé, c'est tout secteur qui est bien touché et par question pays loc là, secteur éducatif là n'en parlons plus, on pas qu'être si monde pas capable à l'école. Et donc c'est année tout gros défi année 2020, nous songer en 2019 1er janvier. Eh bien, il y a un paquet de secteurs, pas seulement le président de la République, là. En pile monde qui t'a formulé vœux, en pile monde qui t'a dit qui j'en aurait année 2019, là. Je t'ai dit, année 2019, là, c'était l'année de tous les défis. Eh bien, année 2020, ça, elle est encore plus exigeante. Année, ça, elle demande plus d'efforts toujours. Effort pour côté chaque monde. Effort pour permettre tout petit monde d'aller à l'école. Effort surtout pour éviter que le phénomène pays loc là, pas reproduit. Parce que à chaque fois, un mois pays l'autre, Haïti capable faire plus de 10 ans en arrière. Donc, est-ce que nous voulons faire back ou bien nous voulons aller en avant? Donc, ça, c'est une décision côté tout le monde. Il y a un mot par pour y placer. Tout le monde, tout secteur, il y a un mot par pour y placer pour nous capable aller exactement dans la direction côté nous voulons pays aller. Ça, nous rêver pour petit nous. Pour petit nous et pour nous-mêmes personnellement qui bon nous voulons aller. Absolument Sabine, et là ça m'a dit pour que j'en te souligne dès le départ et il m'a dit un certain dépassement. N'est-ce pas bon côté chaque acteur pour que ouais Haïti devant dans toute décision yo et ça a tout l'exiger le sens du bien commun. Et moi c'est ça en pile monde quoi qui manque aujourd'hui a faut comprendre que Haïti a c'est pour nous toutes liés, nous toutes gain droit à Haïti a et là nous gain intérêt pour nous protéger, nous gain intérêt pour nous prendre bonne décision, nous gain intérêt pour nous faire bon choix, nous gain intérêt pour nous assurer un coup ensemble, nous créer conditions pour nous permettre que liberté ça que dans cette nouveauté ben nous elle fait chimel, elle fait chimel dans niveau qui plus bas, dans zone qui plus reculée yo, dans jou pa yo, dans côté réalité économique pour nous plus difficile yo, puisque faut d'accord précarité à faire outre dans le pays, réalité économique là, vraiment son réalité tête chargée. Et dans pile message acteurs, autorités, nous tendez à qui niveau situation présentée. Pas bien trop longtemps, économiste Christian Farrell t'a fait une présentation pour 10 dernières années qui se passent. Regardez ça nous fait, regardez ça nous réaliser. Vraiment, ça mettait en pile qui est cassé par rapport à sa réalité aujourd'hui. Maintenant, est-ce que nous capables toujours être dans véritable incertitude? Qui qualité est fort, acteurs en présence, acteurs de politique, monde qui dans la société civile, capable de river joindre pour permettre que une formule qui pour aider nous sortir dans la situation ça. Pourquoi c'est ça en pile fraction nous souhaiter. Nous voulons un pays différent de ça nous vivons déjà. Nous voulons un pays côté il fait bon pour nous vivre. Nous voulons un pays côté effectivement mon liberté a. Il traduit la réalité chaque jour. Nous voulons un pays côté capable gagner et rêve. Je dis à grand monde qui dit c'est quoi le rêve haïtien
c'est vrai, dans cette nouveauté de travail, pour te construire dans le niveau pas aujourd'hui, est-ce que nous arrivons à emboîter le pas? Est-ce que nous arrivons à saisir, cerner, porter et bataille ça que tu as mené ici pour aboutir à la proclamation indépendance pays le 1er janvier 1804? Vraiment, c'est tout ça qu'a posé comme question. Mais là, ça n'a prétendu ses réponses. Réponse bon côté autorité ou dans l'État, réponse bon côté acteur qui a fait politique, réponse bon côté monde qui est dans la société civile là, pour que nous arrivions d'accord que, bon, chaque monde fait ça pour faire, chaque monde joue partition, mais dans l'intérêt de la grande majorité, dans l'intérêt de tout le monde dans le pays, dans l'unique but pour nous capables de permettre à la population de gagner un minimum de bien-être. Et nous n'avons pas besoin de courir quitter le pays, nous n'avons pas besoin de croire que c'est ailleurs et pour rejoindre Eldorado, c'est ailleurs pour rejoindre un chemin pour être capable de construire tête. Il faut que là, à partir de. Et c'est ça que tu as appris tout à l'heure, le rêve haïtien. Il faut que nous avons dit tête, nous, voilà, son pays qui a offert l'opportunité à quel que soit monde, à quel que soit groupe là, n'est-ce pas? Puisque là, il y a une constante et une chose qui est dérangeante, c'est la question de l'inégalité criante qui gagne. Non pays, et c'est pas pour ça dans cette notre bataille. Et nous songe les fameuses phrases de Dessalines, moun sa est-ce que pas venir rien dans ça ngé là. Donc question répartition richesse là, là son gros morceau et faut arriver là-dedans. Écart trop grand et dans région Haïti vraiment derrière Cameroun là dans question inégalité a. Et ça baille toute frustration que nous connaît, ça crée toute tension et ça même gagne incidence ou bien oui sur stabilité pays a. Lorsque quantité moun qui pas rien et puis son petit classe pour gagne toute bagarre là. Très certainement, il est difficile pour penser à la stabilité, il est difficile pour penser à la paix, il est difficile pour gagner moins de frustration, il est difficile pour pas gagner troubles sociopolitiques de temps en temps. Alors, là encore, c'est pour nous créer conditions pour que nous sommes capables d'attirer investissement direct et étranger dans le pays, pour que la richesse soit capable de créer, et les richesses créées, et les tout ça qui va gagner, nous avons tiré toute pression sur la politique, là, pour que la politique passe à l'espace, côté monde qui arrive, construit tête, les ça gagner de l'autre possibilité, et qui pourra permettre aux monde qui ont envie de vivre dans le pays, aux monde qui ont envie de fonctionner dans le pays, capable d'arriver, accomplir rêve, accomplir destinée, ça n'est pas obligé, c'est dans la politique, et les ça gagner moins de pression, et très certainement, capable sans répercussions même dans Jean la rue même dans Jean réalité moun yo Sabine Jaitienne. Et tout ça dit Lindor yo résumé dans un mot de dit tout à l'heure dans un effort tout monde doit faire un dépassement de soi. Et dépassement li ka paraît difficile mais li pas impossible si n'a regardé un paquet pays pas même seulement dans Caraïbes là tant qu'au Pérou, Colombie, Canada tout récemment si n'a regardé et Chili si n'a regardé plusieurs autres pays côté bon. En France, par exemple, avec le phénomène gilet jaune, tout, les n'a pas gardé ça qui a passé dans l'autre pays. Ça, on nous dit c'est fini pour eux cette fois-ci. Mais quelques temps après, où tout le monde chita ensemble, ils ont joint une solution. Et question qu'on a, nous t'a posé pourquoi pas nous, pour qui ça nous-même tout en Haïti, nous pas qu'à faire même genre l'autre pays ça y est. L'endroit où se dit le à chaque monde, tout le monde doit sentir bien leur la caillou. L'endroit dit le à, eh bien c'est pas. Ce n'est pas quitter le pays qui est la solution. La solution, ce n'est pas quitter le pays, papi, les papa, c'est faire le pays à un côté là bon pour tout le monde vivre, pour tout le monde sentir bien. Et pas gagner un côté où le monde sent plus bien que la caillou. Peut-être ou déplacer pour une raison, mais quand on sent vraiment bien, c'est là la caillou. Et un pile monde d'accord sur ça, et même un paquet étranger d'accord sur ça. Haïti, c'est un pays côté qui fait bon pour le monde vivre là-dedans. Haïti son terre qui accueillante, Haïti son espace côté si tout le monde mettait tête ensemble si on fait un dépassement de soi tant que l'endroit sur table dit tout à l'heure et bien pays a arrivé gens nous besoin non même si c'est pas à 100% mais à 90% à 95% te mettre ça 60% Haïti capable gens nous besoin là. Donc pour cela bon paquet effort qui pour faire nous capable un tweet que président république là à première dame là te fait sortir sur nouvel an veu et pour population haïtienne dans l'occasion année 2020 qui rentre là président république là tout parler de dépassement de soi ça nous besoin journée aujourd'hui. Donc c'est tout le monde qui t'a souhaité que nous prenions l'autre direction sous bon route là avec pays d'Haïti. C'est ça président république là et sûrement voulait parler elle dit un changement total capital de système ça. C'est parce que depuis 216 l'année c'est pas toujours ça nous t'voulait qui arriver. Donc faut gagner un changement de système là, faut gagner yon l'autre décision, yon l'autre mot qui dit, et mot ça, fois ça, a aidé pays d'Haïti,
déraper tout le monde. Absolument, et j'en ai précisé là, il faut vraiment gagner un véritable, faut que richesse mieux partagée, mieux répartie. Et faut que question pour un petit classe pour ne pas gagner, et puis, en fait, pile monde pas gagner, et puis un petit classe pour gagner tout le bagage, ça, il faut nous regarder, li, et qui pourra permettre que plus d'opportunités créées, hein, plus possibilités l'offrir, surtout à jeunes qui sont capables d'accomplir les vieux, qui sont capables d'accomplir destinée ici à Souboute, à Zancet, nous avons des batailles pour te bannir. 216 années après, côté nous, qui ça nous fait? Est-ce que nous sommes en route là? Est-ce que nous sommes mauvais route là? Qui ça nous doit faire que nous pas bien fait? Qui ça nous envie faire que nous pas fait du tout? C'est autant de questions que nous devons garder et je dis là, et qui t'a qu'à permettre que nous mieux aborder l'année. Parce que au fait, chaque fois que nous avons démarré, nous avons souhaité une autre bonne année, mais l'année doit passer, les chiffres ont changé, mais la réalité n'a pas changé si nous continuons à faire même ça nous a fait. Puisque c'est clair, et les gens qui veulent notre résultat, c'est l'autre bagarre qui fait. Alors, c'est seul monde fou quoi, s'il continue à faire même ça, il va faire avec notre résultat. Alors, si nous avons besoin de 2020 différent de l'année que nous connaissons déjà, il faut que nous décidions de prendre de l'autre décision, il faut que nous puissions faire de l'autre choix, il faut que nous assurions que les réflexions changent, et nous souhaitons gagner plus. Et ouverture d'esprit, hein, l'esprit de concorde, même l'esprit de concorde qui était animé dans cette nuit, qui était à pousser au fait congrès de la CAIEA, en souhaitant que nous arrivions là et nous capables de vivre ensemble. Là. Parce que faut être d'accord que je dis en Haïti, le vivre ensemble est fragile. Et les mois frères haïtiens pareil, moi, c'est haïtien pareil, il faut me reconnaître moi dans lui, il faut me connaître son lot moi-même. Et le fait que je suis l'autre moi-même, il y a des choses que je ne peux pas faire, il y a des choses que je ne peux pas faire. Et il faut être d'accord que là, c'est espace pour nous tous, personne ne peut chasser personne. Il faut créer des conditions, il y a un ciment. Et c'est là pour nous arriver. Hein. Faut que mon côté haïtien capable de retrouver. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Et c'est peut-être ça dans cette notre bataille. Ouais, malgré les différences, malgré un pile fois, pas toujours entendre. Mais à la carrière, tout le monde est d'accord faire le sacrifice nécessaire pour le bien commun. Et c'est ça que nous souhaité pour l'année 2020. Que le sacrifice soit fait pour le bien commun. Bien commun, ça parle l'autre que Haïti, pour génération qui venir, pour les arrivés pour dire, tu as une qualité qui était là dans le moment ça en 2020, mais ça a été fait comme dépassement, mais ça a été pris comme décision, mais ça a été fait comme choix qui garantit génération qui venir en l'autre qualité Haïti. En République dominicaine, pas trop loin nous là, nous songeons ça qui est arrivé avec Balaguer dans l'élection qui est faite, en pile accusation par rapport à fraude, etc. Mais ils vont côté, Peña Gomez, Balaguer, Yoshita, ils ont joué une formule, gagné des acteurs dans la société civile, moun dans l'église et moun dans les classes d'affaires, ils ont créé conditions pour que Yoshita, pour bien commun, qui c'est la République dominicaine. Et là, au-delà de ça, on était d'accord ou pas d'accord, mais ils ont joué un accord sous des accords et qui facilitait, ils ont accouché un document. La volonté de la nation, la volonté de la nation, on document que tu es chita sous 25, comme que si le parcours renouvelé, il t'a renouvelé là, et depuis là, ça, alternance en fait correctement, institution au marché, et une bagarre qui est fondamentale. Et dans la démocratie, le système nous choisit, il exige à ce que c'est pas mon pour fort, c'est institution pour fort. Et l'institution fort, il facilite, et sur le facilité, pays à tout. Et c'est ça que tu es fait avec dépassement, tout près nous là. Jean-Sabine Tabdil, pour qui ça ne pas qu'à faire nous-mêmes, pour qui ça ne pas qu'à faire. On document que tu es chita sous 25, comme que si le parcours renouvelé, il t'a dû renouveler là, et depuis là, ça, alternance en fait correctement, institution au marché, et une bagarre qui est fondamentale. Et dans la démocratie, le système nous choisit, il exige à ce que c'est pas mon pour fort, c'est institution pour fort. Et l'institution fort, il facilite, et sur le facilité, pays à tout. Et c'est ça que tu fais avec dépassement. Tout près nous là, Jean-Sabine Tabdil, pour qui ça ne pas qu'à faire nous-mêmes. Pour qui ça ne pas mettre nous sortir côté nous y a, pour de bon et pour de vrai. Côté problème, nous poser pour tout bon, et sans langue de bois, contentieux vidé. Parce que là, faut être d'accord. Nous avons une société côté grand pile contentieux qui mérite vidé. Et tout autant, on a l'impression qu'on pas vidé. Réalité, on n'a pas forcément changé. L'ignorance ne doit pas bouger. Et la fin d'accord, gêner, discuter, et aller poser problème, dans intérêt bien commun, bien entendu, que c'est Haïti. Et pour que finalement, on a dit, année ça, il est capable d'une année qui constitue un nouveau départ. Et là, ça, c'est frère action, nous, yo. Moun qui n'a une situation difficile, yo. Moun qui n'a vu des réalités dans des zones très reculées dans le pays, à côté, c'est
services sociaux de base, yo pas qu'à toucher, c'est eux-mêmes qui pral sorti vainqueur. Et là ça n'a créé une société qui pas une société mi au mi bas, une société côté opportunité à garantir pour nous toutes, une société côté et tout monde a senti yo capable accomplir rêve là, accomplir destinée là, ça ne pas obligé quitter, une société côté pas gain affaire, un petit groupe monde, gain toute bagaille et puis en pile monde pas gagné du tout, une société côté richesse, yo pral bien reparti côté n'a créer ciment ça pour nous connaître nous c'est haïtien nous gain intérêt une dans l'autre nous gain intérêt dans succès l'autre là parce que rivé un côté quand on gain impression on a peur du succès de l'autre ou peur progrès l'autre là comme si chaque fois l'autre là font succès ben font progrès oui ça dérange oh ce n'est pas le cas absolument alors chaque fois l'autre là fait succès ça doit faire me content même je l'ai échoué tout ça doit déranger alors on faut arriver dans dimension ça et c'est là pour nous arriver et c'est là que parle fin tout nos véritable nation et c'est tout ça au 1er janvier 1804 là des charriers c'est tout ça le dégain là-dedans justice sociale il était là-dedans mise en commun il était là-dedans vivre ensemble il était là-dedans des projets économiques viables et viables pour permettre que population noire vive la ville en bonne et due forme de manière décente. C'est tout ça le charrier. Maintenant, nous autres qui sommes là aujourd'hui, qui ça l'a fait pour nous capables de permettre que nous retournions à l'idéal de Saline, retournions à l'idéal des ancêtres, dans l'unique but de permettre à frères et sœurs, compatriotes, de vivre dans un bon pays, un pays côté le fait bon pour le monde vivre. Jean-Sabine Jean-Étienne t'a souligné tout à l'heure, un pays côté eh ben, nous capables de faire projet, nous capables de planifier, nous capables de penser à demain et nous capables, n'est-ce pas vrai, quoi que si nous sommes capables de grandir là, nous avons espoir hein, pour nous capables de gagner demain meilleur. Parce que là, nous avons fait ce que nous avons fait pendant la dernière année. Et nous tuer l'espoir. Maintenant, c'est l'espoir fait vivre. Et chaque fois, par l'espoir, ou pas envie demain. Alors, là, nous avons besoin de garder tout ça, je vous dis. Nous commençons par l'année 2020, pendant que nous avons fait soi, mais nous avons besoin de plus d'engagement. Engagement, pas dans l'idée pour nous détruire, mais engagement dans l'idée pour nous construire. Engagement dans l'idée pour nous faire notre vie bien. Engagement pour nous pas seulement avoir intérêt par nous, mais pour nous avoir intérêt tout le monde, pour chaque monde, quoi que l'autre a gagné possibilité pour évoluer, même j'aime évoluer. Et puis, ensemble, nous faire route là pour Haïti demain, hein, capable de Haïti. Assez fier en Haïti qui répond à sa ancêtre de bataille et Sabine Jean-Étienne. Effectivement, et vous sautez dit un paquet de bagages qui ont importance et qui t'a doué pas seulement rester dans le cadre de transmission ça, mais tout le monde qui l'a caillou doué rentrer parole ça dans la tête pour connaître effectivement jeudi, mercredi 1er janvier 2021 qui bon nous voulons aller. Nous gagnons, nous partis pour 365 jours pendant l'année, 365 jours et décisifs pour le pays d'Haïti. Chaque jour, nous gagnons des bonnes décisions pour nous prendre. L'endorse dit tout à l'heure, pour qui ça succès, on l'autre monde obligé un échec pour nous-mêmes. Alors que les nous arrivons à l'étranger jusqu'à présent, toute action, et où l'indépendance était posée, yo rete en fierté pour nous tout côté nous passer journée jeudi a pour qui ça nous pas qu'un flambeau ça et même journée jeudi encore les haïtiens arrivé à l'étranger gain des haïtiens qui fait de grand travail dans plusieurs secteurs c'est fierté pour nous arriver à l'étranger même si mon n'a pas qu'en Haïti li dou quand même ni connait Daniel la Ferrière même si mon n'a pas visité Haïti li connaît des trésors nationaux vivants mon n'a parlé de une série grand écrivain que nous gain la caille nous yo parlé de Franck Etienne yo parlé de grand peintre de grand homme de lettres Haïti toujours fait parler de lui à travers citoyens nous yo qui percé non seulement sur scène nationale là et qui percé tout à l'étranger sur scène musicale là yo connaît nous partout donc pour qui ça nous pas qu'un flambeau ça donc année ça son année décisive pour population haïtienne là l'endor saute mentionner chaque échelle chaque étape nous gain pour nous franchir. C'est année côté pour nous prendre décision à partir de semaine ça pour si moun yo capable retourner l'école avec uniforme sur yo pour yo suivre programme qui prévoit dans calendrier scolaire là pour tout ti moun yo aller dans examen pour yo capable demain sortir un monde année ça c'est année pour nous prendre décision pour élection yo fait pour nous chita ensemble pour nous dialoguer c'est année pour nous prendre décision pour nous avancer dans cette de bagaille qui était crampé pendant année 2019 là. Donc nous prenons et célébrer grandiosement, non seulement dans tout le pays d'Haïti, nous avons célébré la fête d'indépendance. Nous. Et bien, jeudi à notre palais national, et bien, cérémonie ça tout, c'est pour célébrer officiellement avec autorité, et bien, 216 l'année d'indépendance du pays d'Haïti. C'est une journée de réflexion. Jean, en 1804, c'était une journée de fête. Eh bien, 2020, c'est une journée de réflexion. Ce n'est pas seulement une journée de fête, mais c'est une journée de réflexion. C'est une journée pour nous garder côté nous sortir,
qui bon nous pour aller. C'est une journée pour nous réfléchir sur qui ça nous voulons faire avec l'avenir paysan. Donc c'est une journée pour nous partager l'amour. L'amour dans chaque foyer, l'amour dans chaque quartier dans Port-au-Prince, l'amour dans chaque commune, dans chaque département, dans chaque section communale. C'est pour nous partager l'amour, pour nous partager la paix, pour nous faire dépassement de soi et pour nous pratiquer la tolérance tout. Absolument, en pile tolérance, nous souhaitons pour l'année 2021, nous connaissons une société qui est très polarisée et question tolérance, nous souhaitons le tourner réalité. Nous n'avons pas forcément le même genre, mais c'est pour une raison pour nous croire que le clan n'est pas obligé là parce que le pape dit soit en vite en dehors. Nous croyons que la tolérance doit en mi-temps réflexe nous et pendant l'année 2020. Accepter l'idée contraire, accepter que nous n'avons pas obligé d'accord avant et accepter discuter, accepter contradiction. Et c'est d'ailleurs ça fait beauté la vie hein, nous pas obligé rebailler au même gens, mais ça pas empêcher nous capable, ça pas empêcher nous capable discuter et surtout si c'est pour le bien commun Haïti. Alors nous souhaiter à tolérance et effectivement 2020 les plus présents et dans mitan nous téléspectatrices, téléspectateurs, amis internautes télévision nationale d'Haïti. Alors c'est plus passé 365 jours que nous avons pour une vie, puisque nous connaissons Sabine, février a gagné 29 jours. 29 jours. Voilà, vraiment, c'est parti pour un pile jour là, pour l'année 2021. Et là, nous avons parlé national pour cérémonie officielle. Deuxième étape journée. Première étape, là, nous avons souligné pour même cap suivre nous. C'était sous place publique, dans le niveau Champ de Mars, avec le président de la République, là, Jovenel Moïse, première dame, Martine Moïse, président Sénat de la République, là, et Karl Murat Kantav, président Chambre des députés. Et Gary Baudot, président Cour Cassation, qui c'est tout président Conseil supérieur pouvoir judiciaire, Maître René Sylvestre, et l'autre autorité dans l'État, déposé gerbe dans le pied monument qui est érigé sous place. Et là, nous avons fait place Christophe, place Toussaint l'Ouverture, place Saint-Jacques-des-Salines, et puis place Pétion. Et là, Kounia, nous, dans la deuxième étape journée, qui pral étape, et un peu mon attente, puisque c'est là, et grande décision, et on a annoncé le président Jovenel Moïse, qui apparaît pour adresser à PIA dans l'occasion de 216 l'année indépendance pays d'Haïti. Qui j'en décolle à présenter ici à dans Palais National, et bien gagné et soldats force l'armée d'Haïti qui est sous place, fanfare Palais National là, les sous place, les agents et dans plusieurs unités dans police nationale là qui est sous place, et présence en pile dans confrère concerne nous dans médias qui déjà là pour assurer couverture événement. L'autre précision pour nous faire et en pile invité déjà à prendre place. Nous remarquons présence et l'autre membre du pouvoir l'État, pouvoir exécutif, bien entendu, président Jovenel Moïse, pouvoir législatif, président Karl Murat Kantav, président Gary Baudot, pouvoir judiciaire, président René Sylvestre, et puis Gagnon et directeur général, ministre qui déjà prend place, membre cabinet. Remarquez toute présence des représentants au niveau corps diplomatique là, qui ont même déjà là, en pile dans le pays qui accrédité en pays en Haïti, qui a accréditation diplomatique dans le pays, qui ont même déjà là. Pour l'événement jeudi, et présence DGPNH avec membre commandement qui là, ou état-major force l'armée qui sur place, et la Kounia, dans le moment où on a parlé, c'est le président de la République, président Jovenel Moïse, et avec première dame, non, premier ministre Jean-Michel Lapin, DGPNH, et nous marquons président Chambre députée, président CSPJA. Et cap rivé quoi lui là et qui pral gagner pour prendre place sous stand qui érigé dans circonstance là et d'un moment à d'autre Sabine Jean c'est pral lancement deuxième étape journée 1. Il faut encore bonne fête indépendance et merci parce que nous avec nous sous télévision nationale Haïti nous saluer toute station de radio et de télévision cap relayer TNH dans moment ça et c'est tout occasion pour nous souhaiter nous toutes bonne année 2020 et surtout bonne fête indépendance Sabine Jean Haïtienne. Oui, c'est deuxième étape journée 1 qui va commencer Kounia côté président République là avec première dame là Martine Moïse, premier ministre Jean-Michel Lapin avec diverses autres autorités, président de Chamyo qui présent à toute invité qui présent Kounia dans la Coupe Palais National côté cérémonie sur route pour démarrer. Téléspectateurs, téléspectatrices de télévision nationale d'Haïti, vous avez une chance pour tendre différents discours qui marquent journée et message président République là à nation. Et nous avons une chance pour nous suivre traditionnelle parade 1er janvier
avec Fanfare Palais National, plusieurs unités de la police nationale là. Et ces cérémonies qui commencent Kounia, nous invitons à suivre. Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de la Chambre des députés, Monsieur le Président du CSPJ, 18 novembre 1803, gros coquin chaîne bataille ça, tes bas ancêtres nous au pouvoir, puis ont été proclamés 1er janvier 1804, pays d'Haïti comme premier pays noir libre sous terre. Là, nous avons voté président Jovenel Moïse 20 novembre 2016. Nous avons cru que garçon canson ça te gen l'idée de Saline, nom de Saline qui c'était Silayo qui pi mal yo, Silayo qui nan mal cité yo, est-ce que yo pa joine rien. C'est avec un pile honneur, un pile respect que n'a pas invité président pays a, son excellence Jovenel Moïse pour livrer by nation Haïti message li à l'occasion de 216e anniversaire pays d'Haïti, premier pays noir sous planète Terre. Monsieur le Président. Merci. Je vous demande de rester debout pour observer une minute de recueillement pour ce policier tombé hier sur les balles assassines d'un groupe de bandits au village de Dieu. Merci, asseyez-vous. Madame la Première Dame, Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Président du Sénat de la République, Madame Cantave, Monsieur le Président de la Chambre des députés, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président de la Cour de cassation et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les juges de la Cour, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement et leurs épouses ou époux, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et leurs épouses et époux, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions indépendantes, Monsieur le Protecteur du Citoyen, Messieurs le commandant en chef AI et les membres d'état-major des forces armées d'Haïti,
Monsieur le directeur général et les membres du commandement de la police nationale, mesdames, messieurs les membres du corps consulaire, mesdames, messieurs les représentants des organisations internationales, mesdames, messieurs les directeurs généraux, cadres et fonctionnaires de l'administration publique, mesdames, messieurs les chefs des partis politiques, mesdames, messieurs les présidents et membres des institutions des collectivités territoriales, mesdames, messieurs les représentants des organisations de la société civile, monsieur le commandant du bataillon mixte, mesdames, messieurs les officiers, sous-officiers, soldats des forces armées d'Haïti, mesdames, messieurs les hauts cadres de la police nationale d'Haïti, policiers, policières, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, concitoyens, concitoyennes, frèm ak sèm haïtien, haïtienne dans quatre coins du pays et dans la diaspora, femmes voyants, garçons voyants, jeunesse pays, m'a coupé bien bas pour me saluer. Honneur, respect. Honneur pour ancêtre nous qui te fait 1804. Honneur pour général Dessalines, Pétion, Christophe, Capois, Toussaint et Ladrier. C'est tout ensemble, à Campil l'autre nom, nos pas cités, qui te disposé par vie pour liberté blayi sous bout Tessa. Chaque monde, chaque haïtien, quel que soit côté où vive, quelle que soit condition sociale ou les pauvres, chaque fois on mettait pied sous bout de ça, c'est énergie toutes ancêtres qui voyageait sorti côté hier pour une visite. N'a fêté jodi a 216 l'année indépendance pays nous. Bel petit pays que nous remet en pile là. Haïti. Haïti te vin premier pays noir indépendant dans le monde là. Et nous te deuxième pays dans Amérique là qui prend indépendance nous après États-Unis d'Amérique qui te fait parler là dans l'année 1776. Nous vin yon pep, yon pays, Haïti chéri. Yon nation libre, grand monde tête li. Yon état indépendant de yon système pesé sous ce qui pas reconnaître moun comme moun. Parce que esclaves yo te traité yo pi mal façon objet. Nous couper fâché à 312 l'année l'esclavage sorti dans l'année 1492 pour arriver dans l'année 1804. À toute forme de discrimination, à toute forme d'exclusion. En pile santé coulée pour génération qui a venu, pas qu'on ait même douleur ça, même misère ça, même tribulation ça, même humiliation ça. Victoire l'armée indigène non, sous l'armée française là, t'a étonné le monde entier. L'autre gros puissance coloniale esclavagiste t'a demandé qui Jean li fait possible pour ancien esclave dans la cour Saint-Domingue yo rive révolté jusqu'à ce qu'il vous déclare tête yo indépendant. Révolution haïtienne 1804 ça te saccagé tout système colonial esclavagiste là. Nous te réhabiliter race noire. Nous te vinn yon source expérience, yon source l'espoir, yon source courage. Yon exemple pour tout peuple qui t'a vivre dans esclavage et colonisation. Nous t'ai transporté vent liberté, vent égalité, vent justice sociale dans monde colonial avec esclavagiste là.
C'est comme ça en pile l'autre colonie de lever campé après nous. Tant coup Kiba, Martinique, Guadeloupe, Porto Rico, Brésil, Barbade, Dominique, Honduras et Latrier. Nous t'ai supporté en pile mouvement indépendance dans en pile pays dans l'Amérique latine. Malheureusement, après deux années de déclaration d'indépendance, nous, à cause des assassinats Papa Nation à Jean-Jacques Dessalines, le pays a pu tomber dans une instabilité sans arrêter qui a un pile impact sur le système politique, économique et social de toute nation. Frères et sœurs haïtiens, haïtiennes, peuple haïtien, étrangers qui attendent dans ce moment, je fais un rappel historique ça pour montrer nous l'unité avec l'union qui merveille nous qu'a fait, qui exploit nous qu'a accompli. L'unité avec l'union, le 1er janvier 1804. L'unité avec l'union, chaîne esclavage cassée. L'unité avec l'union, le stabilité qui c'est clé développement à croissance économique. L'unité avec l'union, nous venons plus fort, plus jam, dans le combat sous-développement, dans poser problème yo et jouer une solution pour yo. L'unité avec l'union, nous ne pas faire différence entre moun en haut et moun en bas, entre moun riche et moun pauvre, entre moun pour noir et moun pour clair, entre moun en dehors et moun la ville. L'union fait la force, mais en pile chat et palou, c'est devise nous. Chaque fois nous diviser, chaque fois nous désigner, nous touillons l'autre fois encore Papa Dessalines. Nous touillons Toussaint, nous touillons Pétion, nous touillons Christophe et Latrier. Chemin division, c'est route la troublaille. Route la troublaille mène nous dans des ordres. Et des ordres, c'est maman violence. Violence a mené nous tout droit dans trou la misère et la pauvreté. Même gens, hier, j'ai eu une chance d'aller visiter une communauté dans Presqu'île, Mol Saint-Nicolas. Moi, ouais, j'ai clair. Ça peut être bien des gens qui vivent dans le pays d'Haïti ou dans le rêve. Un monde qui vivent. Mon caille, ou pas même gabal non. Et pourtant, il fait éducation en petite fille qui rêvait faire philosophie. Madame ça cap garder m'cap tande m'jodia. Moi dit que l'état prend engagement devant nation pour que petit toi qui vient faire philosophie et qu'a elle continue l'école pour le rêver retirer ou dans sa m'té wo là. Division menen nous, Jean m'soti hier, ouais, non, ma rouge, côté, un gros mot tek chita non kaye, et pour tabak un bout de fil, pour baye moun yo courant, parce que, divisé, pour rayer, kebe moun yo nan fait noir. Division menen nous, nan sous-développement, Jean hier, moi ouais sur route dans zone d'Amé, dans zone d'Odane, qui état route dans zone ça yo. Et pourtant route ça yo, yo là depuis la colonie. Divisé pour rien, pas jamais permettre nous mettre tête nous ensemble pour nous garder moun ça yo, c'est moun yo et tout, faut nous retirer yo dans mal cité, misère. Indignité que y a vivre. Peuple haïtien, en pile zye braqué sur nous. 1er janvier 2020, 1er janvier ça, nous avons un moment de réflexion. En nous profiter occasion ça, pour nous garder tête nous dans glace. Parce que anniversaire c'est moment souhait. Mais c'est moment bilan tout.
soue yon nan kolot pou sa nou ta remen ki bon rive. Bilan pou nou gade kote nou soti, kote nou ye kon li a, e ki kote nou dwe rive ansanm. Konen ki wout nan pran ak peyi a. Paske kel ke swa kote ou soti, quel que soit parti politique ou sorti, quel que soit idéologie politique ou pas capable concerné par misère, fait noir, si facturation, fraude avec évasion fiscale, manque accès à crédit, nous tous concernés par ça. Jodi a, c'est chaîne seulement qui casse dans pied nous, ak nan main nous. Mais nous toujours été esclaves, pauvreté extrême. Nous toujours été esclaves insécurité. Nous toujours été esclaves blackout. Nous toujours été esclaves contrebande. Nous toujours été esclaves si facturation qu'a fait dans l'état. Nous toujours été esclaves fraude et évasion fiscale. Nous toujours été esclaves manque accès à crédit. Ça veut dire nous toujours kembé en catégorie moun dans misère parce que nous pas décidé fait l'état tourner en l'état serviteur qui pour venir servir nation. Nous pas décidé retirer l'état en bas griffe en minorité pour nous mettre le service en majorité. Nous pas décidé yon garder l'autre dans yeux pour nous dire nous même élite yo. Moment arrivé pour nous mettre tête nous ensemble pour nous travailler pour ça qui plus faible. L'argent contrebande, l'argent fraude avec évasion fiscale, l'agence si facturation, c'est cancer pour le pays d'Haïti. Nous devons combattre à toute force. Il faut que l'État nous numérise. Nous arrivons à numériser l'administration publique nous, pour le lutter efficacement contre le fléau. La réforme n'a pas fait dans le secteur énergie important en pile. Si nous voulons mettre pays à sous chemin développement. Dans 9 millions de monde qui pas gain courant la caillou dans Caraïbes là. 7 millions de monde ça yo trouvé yo dans pays d'Haïti. C'est pas un hasard. Son choix que élite yo fait. Pour construire l'état cap travail contre peuple là. Comment on imagine yo en 2020 gagner environ 70% moun nan peyi a k'ap viv sans courant la kayo. Mande moun k'ap viv kay voisin, moun k'ap viv nan Jamaïque, moun k'ap viv nan Bahamas, ki quantité moun ki pa gen courant la kayo. Et pourtant ou même ça va déranger. Mais moi même que peuple ça se bay gros charge ça, mission ça, li déranger m. Et c'est pour ça m'a travail. Pour que problème ça yo résout. Peuple haïtien, c'est ma frèm yo. Moi te promet nous pour me te ban nous courant 24 heures sur 24. Moi pas arrivé faire ça dans délai moi te souhaité a. Moi profiter de gros jour ça pour m'excuser devant nous. Moi te mal évalué force qui en face moi yo. Force ça yo puissant en pile. Yo prend forme à couleur ou vle, l'air ou vle, côté ou vle pour qu'un système pesé sous ça en place. Et yo capturer l'état des petits cocons tap goumen ak berigène. Yo contrôler plus gros institutions nous gagne dans pays a pour défendre privilège ak intérêt yo. Nous tout wè à clair. Nan ki niche couleuvre moi fouye même. Lèm décidé engager m nan une série de réformes en dedans pays ça. Mwen te prend courage moi ak debwa. Mwen te mette kanson nan tay moi. Jan nou te mande m li pou m te fè ça. Mais jan m se di la. Mwen comprend et m konnen sa k ap bon pou pays a.
Même à dire nous, peuple haïtien, bataille a dit en pile. Il dit en pile, en pile. Mais pas de personne. Moi, je dis, pas de personne qui puisse faire passer l'État. Là, il décide de mettre l'ordre dans des ordres. Je comprends toute souffrance et misère dans la pandémie. Je ne pas jamais oublier. Je dis nous ça. Pas jamais oublier. Que c'est dans le temps nous. Je suis sorti. Je ne pas trahir nous. Et je ne pas jamais trahir nous. Parce que c'est difficile, c'est vrai. C'est dans tête ensemble. Nous avons joué une bonne solution pour retirer le pays en bas d'un coulève sept têtes qui sont blackout. Si facturation, insécurité, pauvreté extrême, contrebande, fraude et évasion fiscale, non accès à bon gens crédit. Bagay sa yo, c'est yo qui mette Haïti dans kalfou dangereux ça qui lié aujourd'hui. C'est yo qui mette pays a sous route misère et sous développement. Bagay sa yo, c'est yo qui fait groupe politique vle faire affrontement yon ak lot. Et bagage sa yo, c'est yo qui inspire m, qui dit m que jodi a c'est yo pour me combattre. Mais c'est pas frem qui nan opposition politique pour mal combattre. Profitez de 1er janvier 2021 pour message là. Que m'a parlé, que m'a dit depuis campagne électorale moi. Pour me dire tout le monde qui décide de faire politique dans le pays, c'est pour nous mettre nous ensemble. Pour nous capables de joindre bon gens accord. Pour nous joindre bon gens solution. Pour nous mettre un gouvernement campé. Pour nous aller résoudre ensemble le problème du peuple. Peuple haïtien, chers compatriotes, mesdames, messieurs, le 1er janvier 1804, nos ancêtres nous ont donné une nation. Cette nation, c'est la source des motivations de nos raisons d'agir. Toutes les mesures de développement ou de bien-être font référence à un cadre national. La construction de la nation est préalable aux initiatives et aux décisions devant conduire à plus de bonheur collectif. Il nous faut avoir le courage de reconnaître que nous n'avons pas réussi à nous construire cette maison commune qu'est la nation haïtienne. L'État lui-même s'est érigé contre la nation. Il est donc venu le temps d'expliciter cette idée programme selon laquelle nous proposons de transformer l'État pour transformer la société. En fait, notre pays n'est jamais sorti du pacte colonial, des structures coloniales de Saint-Domingue. Les anciens esclaves devenus paysans ont continué pendant tout le 19e siècle et jusqu'à la seconde moitié du siècle dernier à produire les denrées que les bords de mer exportaient aux anciennes métropoles coloniales. Ils n'ont jamais eu ni route, ni école, ni hôpitaux, ni eau, ni électricité. L'État, notre État, n'a servi qu'à garantir les conditions de reproduction de cet ordre post-colonial. Tout l'État a servi à perpétuer cet état de choses. Ceux qui continuent à s'enrichir trouvent normal qu'ils ne paient pas de taxes, trouvent normal qu'ils ne puissent exister aucune compétition, trouvent normal qu'ils fixent les prix aux consommateurs et surtout quand ce consommateur, c'est l'État lui-même. L'État, en somme, n'existe que comme source de rente sous différentes formes. De cette façon,
Des groupes se sont enrichis sans jamais participer à l'effort de production, de création de richesses. Ils se sont enrichis aux dépens de l'arrière-pays, du pays en dehors, qui maintenant peuple nos quartiers défavorisés. Nos élites n'ont jamais su construire la nation où tous pourront se retrouver pour la poursuite de rêves communs à nous tous. Il est regrettable que les quartiers défavorisés soient aujourd'hui instrumentalisés pour la poursuite d'objectifs contraires à l'idéal de Dessalines de construire une nation aussi pour ceux dont les pères sont en Afrique. Comment ne pas nous le rappeler en ce 1er janvier, date à jamais sacrée dans l'histoire des libertés. Transformer l'État pour transformer la société. C'est mettre fin aux multiples liens par lesquels l'État est tenu en otage pour l'empêcher de répondre à ses fonctions primordiales de renforcement de la cohésion nationale, de garantir la sécurité des frontières, des vies et des biens, de collecter les ressources nécessaires à la réalisation de ses fonctions, bref, de se mettre au service de la nation. L'État doit prendre le contrôle des frontières par le contrôle des douanes maritimes, terrestres et aériennes. L'État renforcera la cohésion nationale et sociale par la sécurité des voies routières qui permettront aux personnes et aux biens de circuler librement, par le renforcement de nos institutions scolaires, par des programmes d'action civique pour des jeunes de toutes les couches sociales. Cette transformation ne se fera pas sans résistance, qui prendra des couleurs différentes et qui, pour se justifier, développera des discours faussement rassembleurs. Encore une fois, nous invitons tous les fils et toutes les filles de cette nation, toutes les forces sociales, économiques et politiques, toutes les élites à construire un lendemain meilleur pour les générations à venir, à être positifs, à ne pas chercher de prétexte pour encore une fois rater l'occasion de se retrouver sur le chemin de l'histoire ensemble. L'histoire ne nous pardonnera pas, vous et moi. Quelles que soient nos divergences politiques, nous devons nous donner la main, nous asseoir autour d'une table pour discuter ensemble des réformes qui permettront au pays d'être gouverné, d'être mis sur les rails du développement durable. Mes chers compatriotes, en ce début d'année, de nombreux défis interpellent notre nation. Nous devons les relever tous ensemble, dans la fraternité, dans le respect des lois de notre pays, de nos institutions, dans l'esprit de concorde nationale. Haïti est pour nous un précieux héritage. Chérissons-le, aimons-le, sauvons-le. En ces temps difficiles, croyez-moi, je consacre toute mon énergie, toute ma force, toute ma volonté au service de la paix, de l'unité et du progrès de notre cher et beau pays. Chers amis et partenaires de l'international, le peuple haïtien vous sera infiniment reconnaissant de l'avoir accompagné tout au long de l'année 2019 qui a été somme toute épuisante pour nous tous. Le peuple haïtien compte sur vous pour les jours et les ans à venir. Bonne et heureuse année 2020 à vous tous et à vous toutes. Vive la République, vive Haïti. Je vous remercie. Kounia, c'est parade la mer.
Fin à la cérémonie célébrant les 216e anniversaire de l'indépendance de la République d'Haïti. On invite l'assistance à suivre leurs excellences au jardin du Palais National. Amis téléspectateurs, téléspectatrices Télévision Nationale d'Haïti, nous presque arrivés à la fin cérémonie journée 1 qui c'est célébration officielle 216 l'année indépendance pays d'Haïti. Une cérémonie qui était faite en deux étapes. Côté dans deuxième temps, président République là a adressé message li à nation. Dans l'intervention, le président Jovenel Moïse mandé tout secteur dans vie nationale là pour mettre division dans campé loin. Division qui c'est gros source inégalité et sous-développement. Chef l'État a fait remarquer moment bilan et perspective l'arrivée. Tout le monde doit sentir concerné dans la situation difficile pays à vivre journée jeudi à différents niveaux. C'est un message en gros qui était centré sur unité, transparence, réforme administrative. Président Jovenel Moïse dit qu'il travaille pour résoudre une série de problèmes urgents dans la population. Côté lui présenter excuses-lui une fois encore à peuple haïtien
dès que li pa privé bay courant 24 sur 24 là dans délai le pensé à cause toute difficulté li dit qui entourait processus là. Et pour le finir, chef l'état parlé de nécessité pour un accord joint pressé pour permettre pays à un gouvernement d'union nationale avant longtemps. Oui, voilà, en gros, quelques éléments. Et Sabine, un message à président républicain Jovenel Moïse, dans l'occasion 216 l'année indépendance pays d'Haïti. Il y a une célébration qui fait en premier temps sous place publique avec dépôt gerbe dans pied monument qui est érigé. Nous tenons place Christophe, place Toussaint, place Pétion, place Dessalines. Et dans le deuxième temps, c'était ici à Palais National, sous champ de Mars, côté chef l'État, et bien, lui, avec un peu l'autre autorité, il était là et pour marquer date ça. Et c'est là le président Jovenel Moïse était adressé à Nation. Il y a une cérémonie qui déroulait sous signe la paix, sous signe unité. D'ailleurs, le président soulignait le message lien et a souligné la participation de l'autre pouvoir dans l'État, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Et nous soulignait tout présence à plusieurs représentants dans le corps diplomatique, là, Sabine Jaïtien. Alors voilà en gros élément qui était dominé, célébration officielle ça. La première, c'est toute équipe là qui était mobilisée une fois encore. Merci à même qui t'a suivi Télévision Nationale d'Haïti, ou même qui t'a suivi nous sur Internet là et toute la station de radio. Dieu de télévision qui t'a relayé nous. Merci infiniment. Et une fois encore, bonne et heureuse année 2020. Voilà. Équipe TVK et Bladi, merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable de nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là. C'est TV Caraïbe. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons la vidéo pour capable joindre nous. Son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.